Savoir comment se renverser avec un beau V, et vous allez voir que ça demande surtout beaucoup d'abdos. Je vais décomposer en trois différents niveaux de difficulté par rapport aux abdos qui commencent tous dans la même position. D'abord, vous venez vous placer à côté de la barre, comme ça. Et la main qui est là, vous venez la regrouper à peu près ici, à hauteur du menton. L'autre main, vous accrochez à peu près au niveau du visage, des yeux. La barre, maintenant, vous venez la placer dans le creux de l'aisselle, ici, et bien bien serrée pour vous donner un autre point d'appui. Votre corps, un petit peu devant le bassin, pour être comme ça. Donc ça, c'est la position de départ à chaque fois. Premier niveau de difficulté, on va juste amener les genoux à la poitrine et les redescendre en contrôle. Donc, on serre très très fort. Et là, première étape. Deuxième étape, on va faire lever. Et cette fois-ci, quand on va basculer en arrière, on va venir tendre les jambes et tendre les bras également. Donc, quand on va se renverser, cette fois-ci, les bras, ils vont se tendre comme ça. Et on va venir regarder en arrière. Donc, c'est vraiment un mouvement. Donc, ça va donner ça. On s'accroche à côté de la barre. On monte les jambes en même temps qu'on bascule, qu'on tend les bras et les jambes. Maintenant, troisième étape de difficulté, on va partir directement les jambes tendues sans passer par l'étape de petite boule. Donc, on vient se placer à côté de la barre. Cette fois-ci, il vaut mieux partir sur la pointe des pieds. Donc, on se place devant. Et là, on va prendre un petit élan et tendre les jambes d'un coup directement. Donc, comme ça. Maintenant, pour monter en spinning, moi ce que je vous conseille pour lutter contre la gravité et la force centrifuge, c'est de partir comme un fan kick en fait. Une fois que vous allez être là-haut, vous sortez, vous placez à côté de votre barre, et là, au lieu d'essayer de monter la jambe directement comme ça, vous allez balancer la jambe extérieure de ce côté, comme ça, pour venir l'ouvrir ensuite comme ça. La différence de trajectoire, elle est assez difficile à percevoir à l'œil nu. Il faut vraiment que vous le sentiez. Mais au lieu de partir donc la jambe comme ça, devant, vous la balancez sur le côté et vous la ramenez comme ça. Donc comme un fan kick, sauf qu'à la fin, on se renverse. Donc on sera comme ça. Et là, donc d'en haut, ça va donner ça. On commence par prendre de l'élan. Ensuite, on sort à côté de sa barre et là, on kick. L'inverse V, c'est une des toutes premières figures qu'on apprend au pole dance. Elle est vraiment accessible à tout le monde parce que à partir du moment où vous continuez de vous entraîner, vous allez vous muscler et forcément, vous y arriverez. De là, vous allez découvrir de plus en plus de figures, étape par étape, et vous allez voir que chaque nouvelle position sera une petite victoire. Maintenant, si vous êtes débutant, je vous conseille de regarder le tutoriel sur le Baby Snake, qui est très facile mais très impressionnant à regarder, ou le tutoriel sur le Viva, qui est une position intermédiaire essentielle dans plein de différentes figures beaucoup plus difficiles. Et voilà!